rid of them? Bonjour, c'est Franck. Bienvenue dans mon maxi atelier en présence de Sébastien. Alors, Sébastien Gros, c'est le propriétaire d'un blog sur internet qui s'appelle T2 Woodworks. Bonjour. T2 Woodworks. Alors, voilà, je vous invite à aller voir son site. Très bien, très bien. Bah, voilà, ouais, j'allais pas le dire. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et alors, je sais pas comment ça se passe, les blogs, si tu peux liker ou. Ouais, on déjà en fait au moins regarder, puis voilà. On peut s'abonner surtout. En fait. Voilà, abonnez-vous, voilà. Ouais. C'est ça le truc. Abonnez-vous et abonne-toi sans S. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Maison du tournage. Et le stand de Michel Horioux, les forges de Saint-Juéry. Sandrine. Monsieur Tom Linilsen. Monsieur Horioux. Julien. Messieurs, dames, Tom Linilsen, donc le patron de la boîte, Tom Linilsen, le fabricant de rabots, en pleine action avec ses propres rabots. Donc je peux vous dire qu'il connaît, il les connaît parfaitement. C'est quand même improbable de voir cet homme-là en France. Je pense que j'ai une chance de cocu. Comment il a pu le défixer comme ça? Tu travailles, tu te balances. Je suis chez The Tool Shop. Alors, c'est des Anglais, ce sont des spécialistes de l'outillage ancien. C'est un truc de fou. Alors, ils ont un site internet, ça sera dans la description de la vidéo. Je vous invite fortement à aller voir ce qu'ils vendent, c'est un truc de dingue. Ils sont extrêmement gentils. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, ils répondent immédiatement. Alors, il y a tout, de l'outil de tournage, il y a des rabots, des ciseaux, des gouges, des marteaux, il y a tout ce qu'il faut pour travailler à la main. Alors, ils ont des prix assez sympas, il y a des beaux trucs, il y a des pierres à huile, enfin, c'est un truc de dingue. Donc, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur leur site. Voilà, vous avez le patron, en train de travailler sur une gouge de tourneur. Je vous dis, il y a de tout, quoi. C'est pas de la rigolade. Regardez-moi ça. Pour les amoureux des rabots, là. Des ciseaux à bois, tout à 10 balles où je remballe. Des serre-joints. Bon, les serre-joints, c'est bon, voilà, quoi. Mais il y a de tout. Je vais vous faire voir des trucs de dingue, là. Charlène, je pense à toi, en l'occurrence. Regarde. Des outils qui ont été utilisés par de vrais ébénistes qui ont déjà vécu un truc de maboule. Voilà. Tout à 15 balles ou 5 pièces pour 60 euros. Alors, quand on voit le prix d'une gouge, je peux vous garantir que c'est pas cher. Allez, ça continue ici. Des équerres de dingue, aussi japonaise bien sûr, et puis des bouvées, enfin des bouvées, je sais pas comment ça s'appelle ce qui sort là. Des vilebrequins, des niveaux
en bois, en bois exotique certainement, très, très précieux. Enfin, il y a de tout. Allez visiter leur site. Allez, bonjour à vous, bienvenue aux exposants qui nous rejoignent. Les portes vont s'ouvrir dans 7 minutes. Bonjour Gérard, ça va Gérard? Bonjour les gobelins, nos voisins. Bonjour les gros matins. On note, on commande déjà. Ah non, on est rempli, c'est bien. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, toi, toi, là. Ouais, pour les tourneurs, là, je pense que. Il y a de tout, du Hamlet, du Crohn, enfin, il y a tout, tout ce qu'il faut. Quoi. Ah, voilà, c'est Tony Merland, The Tool Shop. Il a fait un bouquin, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Allez visiter. Petite touche d'humour, regardez. Est-ce que vous reconnaissez? Là, je me trouve devant le stand de Maison du Tournage. Alors, Maison du Tournage, c'est un magasin qui est basé à Bédarieux. Vous cherchez sur internet où c'est, parce que je ne vais pas le faire pour vous. Alors, c'est pareil, c'est spécialisé d'outils de tournage, hein, comme son nom l'indique. Il y a de tout. Il y a même des tourneurs qui se cachent. Alors, j'y connais que dalle en tournage, mais il y a du beau matos qui me plaît déjà. Arbotech par exemple. Pour les sculpteurs, là. Charlène encore pour toi. Bon, il y a de tout, hein. Alors ici, vous avez le patron, Tom de Rouver. Très, très sympa. Dites-lui que vous venez de ma part. Non, je rigole. Voilà, c'était Maison du Tournage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, à Rayon, dans le 54, il y a la croisée découverte. Les stages, des formations. Je filme le petit formateur. Alors vous trouvez tout comme formation, enfin tout. Il y a un catalogue assez fourni. Je vous invite à aller sur leur site internet. Il y a régulièrement des pubs dans Le Bouvet, si je me trompe pas. Ou Bois Plus, ouais, voilà. Donc, vous voyez un peu l'histoire. Vous arrivez, vous avez un petit niveau, non, pour ça. Premier niveau, stage de base, produit. Après différents stages de perfectionnement pour des meubles rustiques, des meubles contemporains. Ou encore des stages à thème avec des choses très contemporaines et un peu plus techniques avec de la mêlée collée. Fraisage complémentaire et des boîtes assez sympas. Voilà. Et puis pour les gens qui débutent, et ben, du mobilier de jardin, des choses toutes simples. Et du poulailler. Voilà. Donc la croisée découverte, elle est sur leur site. Voilà. Alors là, je suis chez les plaquages et filets Gautet. Alors, je peux vous garantir que les trois personnages que j'ai devant moi sont des personnages hauts en couleur. Alors, hauts en couleur pour leur plaquage déjà, mais qui ont une histoire assez dingue. Je vais pas vous la raconter, c'est un peu compliqué. Mais leur plaquage est tout bonnement magnifique. Alors, regardez-moi ça. Alors, je vais pas vous donner les noms. Ceux qui font de la marqueterie, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Et ils sont super sympas. Je pense qu'ils sont à l'écoute de leurs clients. Ah, toujours. Voilà, ils sont toujours à l'écoute de leurs clients. Toujours. Voilà. Mais toujours haut en couleur. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Exactement. Donc la patronne, Laurie. On peut dire ça. Oui. Voilà. Son mari, je présume. Et puis bah, les tableaux de... Le tapage. Voyage en Outrevoie. Voilà, voyage en Outrevoie. Alors vous voyez, c'est un peu
Alors au début, je passais devant, je pensais que c'était de la peinture, mais en fait, non. C'est du bois. Le mec, il est complètement cintré. Excuse-moi, hein, C'est incroyable, la finesse. C'est de toute beauté. Je me permets, hein. Non, c'est incroyable, je vous garantis que j'ai ça devant les yeux, je suis émerveillé là. Je pensais vraiment que c'était de la peinture. Alors voilà, vous avez des carrelés composés. Les petits copains qui me suivent sur YouTube ou Facebook, ben regardez le travail. Je pense que ça peut. Largement, voilà. Avec un carrelé comme ça. Je peux vous garantir qu'il y a une finesse assez incroyable. Alors moi j'y connais que dalle en tournage. Ça fait au moins 15 fois que je vous le dis aujourd'hui. Et c'est magnifique. Alors bien sûr vous retrouverez le lien de leur site internet dans la description de la vidéo. Franchement allez voir, ça vaut le coup. Et ils ont des filets. Filets de marqueterie. Filets de marqueterie. Ah, je me permets. Hein. Bon alors on va pas les sortir mais bon. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Donnez-moi ça. Voilà, alors regardez bien le nom. Plaquage et filet côté. Voilà. Éliminé. Éliminé. Même avec moi, j'ai bien, je t'ai battu. T'as bougé mon monde. Oh putain. Où elle est? Où elle est? Alors elle est où? T'es, tu chronomètres ou pas? Il faut quelqu'un qui chronomètre, hein. Ouais, tiens. Je tourne dans quel sens? Vas-y, voilà. Ah, c'est déjà bien parti, tiens. Voilà, comme ça. Allez, 4, 3, 2, 1, c'est parti. T'as jamais fait ça? Non, j'ai jamais touché un tour de ma vie, j'en ai une peut-être pas une fleur bleue. Je vais pas le dire, mais la plus belle. Tu as encore plus fleur tout à l'heure. Encore plus fort tout à l'heure. Il est où le casque à pointe? Là, couché là. Alors je vais te mettre un petit bout de bois comme ça, il va pas être trop dans c'est le mandrin, alors ça pourra peut-être être éjecté. Attention, vous êtes prêts? Top! Départ! C'est parti! D'abord, tu vas enlever, y aller comme ça jusqu'au bout pour enlever la partie carrée, tu vois. Je fais gaffe au mon endroit. Voilà. Ah, ça oui, 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 ça c'est obligé. Comme ça, on va déjà enlever un peu, tu vois. Il a horreur des conneries. Oh là là, mais il est déjà bien, pas trop près du mandrin, quoi. Reste par là. On va pas prendre des vidéités. Pas trop près du mandrin. Il a peur, hein. Il a peur. Ah oui, hein. Il a peur. Hein. 250 euros. Vous voulez pas des minutes, là? Pardon. Ah, tu voulais, c'était voulu. Ouais. Espèce de truc moche, c'était voulu. Ouais. La grosse fait dans l'autre. Dans le crâne de l'autre, en plus, on a eu du mal à l'air. Voilà. Et bon, pour quelqu'un qui n'a pas tourné. Moi je dis que le type pour Rio, elle prend le large. La veste qui va bien. Regardez, c'est pas fini. Hein. Il suffit d'un petit coup de mandrin et on est éliminé. Mais la pointe, elle est faite ou parce que je la trouve pas ferme? Si, elle est ferme. Et quand on reste concentré? Il faut faire pression. 3 minutes 30. Et on va la couper là. Top. 3 minutes 35. Contrôle. Hein, regarde. Tu vois bien qu'il y avait un peu quelque chose de pété.